avez parlé et franchement c'est assez intéressant. Alors j'espère que la petite séquence que vous avez vue juste avant vous a plu. Moi personnellement je me suis régalé à la tournée de lui donner cet aspect cinéma, cet aspect grand écran. Et quand je me dis que ce résultat là sort d'un objectif des années 60 produit en ex-URSS qui m'a coûté 50 balles, franchement c'est assez bluffant. Alors voilà, aujourd'hui on va parler de la modification de cet objectif, du petit bricolage qu'il y a à faire pour lui donner cet aspect cinéma. Allez, c'est parti. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de modifier cet objectif, vous commencez à en avoir l'habitude, j'aime bien comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait que notre cerveau identifie cette image à une image cinématique? La réponse est simple, elle est en un mot, c'est l'anamorphique. Et qu'est-ce qu'un objectif anamorphique, hormis être un objectif qui est hors de prix? C'est les objectifs qui sont utilisés en fait sur les grosses productions hollywoodiennes. Vous les voyez dans Inception, vous les voyez dans La La Land, vous les voyez dans Game of Thrones, dans Transformers, etc. etc. Donc en fait, notre œil, même si on n'est pas du tout technicien là-dedans, est habitué en fait à voir le résultat de ces images-là rendues avec un objectif anamorphique. Bon, on va faire un truc super simple, on va faire une simple liste et on va essayer de voir du coup ce qui caractérise une image dite cinématique sortie avec un anamorphique et voir si on peut simplement le répliquer avec notre objectif. Alors déjà, premier point qui caractérise une image cinématique, c'est le ratio. On n'est pas sur un ratio de 16/9, on est sur un ratio qui est plus large, un ratio 2,35:1 ou ce qu'on appelle cinémascope. En fait, ça, on va pouvoir simplement rajouter des bandes noires en haut et en bas. C'est pas parfait, mais c'est le seul moyen qu'on a de faire ça. Alors deuxième point, c'est quelque chose d'assez subtil, quelque chose d'assez subjectif, mais en fait les objectifs anamorphiques ont un côté plus unifiant, ont un côté plus homogène dans l'image. Et c'est notamment visible par exemple sur les teintes de la peau, où la peau est vachement plus lisse. Alors je me dis qu'en fait avec un objectif qui a peu de piqué, qui est vieux comme ça, en le couplant sur un capteur qui est assez performant comme celui de la 7-3, on devrait avoir quelque chose qui s'apparente. Troisième point, et c'est un point qui est super important, c'est le bokeh, en fait ce fameux flou d'arrière-plan. Avec des objectifs anamorphiques, le flou d'arrière-plan sera un peu plus déformé, il sera ovalisé. C'est assez incroyable, mais c'est exactement ce qui se passe avec cet objectif-là. Donc du coup, ça va parfaitement pour cette expérience. Et enfin, le dernier point, et ce dont tout le monde est fan, en fait, c'est les flares, ce sont les fameuses lumières parasites qui entrent sur l'image. On voit ça de partout dans les films de Michael Bay, par exemple, dans Transformers, avec plein de flares de partout, etc. Et donc ça apparente directement, enfin ça donne directement une image cinématique. Bon alors voilà, du coup, moi, le dernier petit point que j'ai à vous dire avant de démarrer le bricolage. Petit aparté super rapide, mais j'ai oublié de mentionner ça dans la vidéo. Le Helios est un 58mm à f2. Alors f2, vous allez avoir un joli flou d'arrière-plan, vous allez avoir une bonne capacité en basse lumière. Mais en fait, toutes les longueurs focales qui sont autour de 50mm sont vachement utilisées au cinéma pour tout ce qui est des scènes de discussion, des scènes de confrontation, pour filmer des gens en fait. Ce qu'on dit que c'est la longueur focale avec le moins de distorsion, enfin ou du moins avec la distorsion qui se rapproche le plus de l'œil humain. Donc voilà, bon allez, retour à la vidéo, c'est parti. C'est quand vous achetez votre Helios, surtout essayez-le, parce qu'il y a eu une production de masse qui a été faite dans les années 60-70 de cet objectif-là. Du coup, d'un modèle à un autre, la qualité varie énormément. Alors moi j'ai un 44-2 et un 44M, le résultat est le même, le bokeh se valide sur les côtés, le résultat de l'image est le même quasiment, mais du coup essayez-les. Donc voilà, c'est tout pour moi, on va commencer le bricolage maintenant. Bon voilà, retour dans le setup classique, je vais vous montrer maintenant du coup comment est-ce qu'on va ouvrir cet objectif là. Alors, je vais vous mettre sur la table directement. Alors je vais utiliser une règle en métal, je vais utiliser un pied à coulisses, un feutre noir, une feuille de papier cartonné, tout ce qui est plus cartonné, un bout de fil de pêche, un crayon, un compas, un scalpel, de quoi nettoyer une fois qu'on va ouvrir, un petit peu de glu, une vis et un pied à coulisses pour mesurer la circonférence. Du coup, ben c'est parti, on va ouvrir tout ça. Soit pour ouvrir, moi le plus simple que j'ai trouvé pour ouvrir, c'était d'utiliser la règle. En fait, ici vous avez deux petites encoches qui sont juste là. Alors vous en avez deux à l'intérieur et deux à l'extérieur. Le but, c'est d'ouvrir les deux à l'extérieur en fait. Le plus simple, forcer un petit peu, tac, tac, et hop, ça s'ouvre. Et voilà, c'est à peu près tout. Vous pouvez ouvrir, moi je l'ai ouvert entièrement, j'ai ouvert toutes les parties justement pour entièrement nettoyer. Donc c'est pour ça que là j'ai une petite chiffonnette, parce que j'avais décidé d'entièrement nettoyer l'objectif. On atterrit directement en fait au niveau de l'iris. Pam, pam. Un coup de souffleur, hop, pas avoir
de poussière. Là, je prends mon pied à coulisse. Du coup, le pied à coulisse va me permettre de mesurer le diamètre à l'intérieur. Donc là, je fais attention de rien endommager. 2,4 cm. 1 cm,2 pour avoir mon rayon. On refait des maths, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de géométrie, je pense. Donc là, je prends un point sur le côté de ma feuille, ici, admettons. Alors du coup, une fois que vous avez votre cercle qui est fait, du coup, qui fait la circonférence exacte de la plaque juste avant l'iris, on va lui faire un cercle un peu plus petit, de 2 mm environ, ce qui va servir en fait de bordure pour venir coller le fil de pêche. Ça, c'est la partie la plus précise, la partie du découpage au scalpel. Là, j'ai mon anneau. J'essaye d'enlever un petit peu tous les petits bouts de papier qui peuvent produire de la poussière derrière. Je vais le peindre, enfin, colorier du moins, en noir pour éviter du coup tout reflet. Donc, je suis de retour avec le scotch. La technique la plus simple que j'ai trouvée pour coller... Hop ! Pour coller le bout de fil de pêche au milieu, c'est simplement d'utiliser un bout de scotch, de le centrer hop sur un truc là, comme ça. Ça, c'est bon. Ensuite, vous centrez votre anneau juste en dessous. On va mettre deux points de colle en fait avec du coup la glue qui est là. Je sais pas vous, mais moi j'adore bricoler quand même. Alors faut aller vite parce que la colle coule à flot. Maintenant, on attend que la colle sèche. Je pense que ça va être super relou d'entendre ça. Bon voilà, après 20 minutes de séchage peut-être, du coup la colle est sèche, le fil a l'air collé. Point super important, avant d'installer du coup le petit anneau et le fil qu'on vient de créer à l'intérieur, l'idée c'est de remettre du coup cet objectif sur l'appareil pour faire en fait un marquage de la ligne verticale. Parce que dans l'idée, il faut qu'on mette en fait l'anneau et le fil verticalement pour que du coup tous les traits de lumière viennent se refléter sur toute la longueur du fil et que ça nous, crée du coup ces traits horizontaux. Voilà, bon, je vais vous montrer, vous allez voir directement, c'est assez simple. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'objectif, on va le mettre sur l'adaptateur. D'ailleurs, je vous ai parlé d'adaptateur ou pas? Oui, bon, c'est un petit adaptateur M42 pour passer sur Sony. Je vous mettrai tous les liens dans la description. On monte tout ça sur le Sony pour prendre le fameux repère horizontal. Enfin, le fameux repère vertical plutôt. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un repère du coup et juste au crayon, à peu près, hein. C'est pas besoin d'être super précis. Dévisser et je viens placer mon disque avec mon fil à l'intérieur et je viens l'orienter, le positionner de façon à aligner du coup mes deux repères avec mon fil à l'intérieur. Je vais le laisser comme ça, un petit coup de soufflette avant de tout refermer. C'est que je viens juste reposer gentiment. Mais l'idée quand même, c'est de mettre ce filament le plus proche du capteur possible et pas devant l'objectif. En fait, il y a des filtres qui vous permettent d'avoir des filaments devant l'objectif, mais le résultat est toujours moins bon. Bon voilà, l'objectif est terminé, tout est refermé, tout est revissé. Bon, en effet, on va pas utiliser ce type d'objectif là pour tout et n'importe quoi, mais je pense que pour un clip de rap avec un setup lumineux un petit peu spécifique, un petit peu travaillé, quelques plans avec ça, ça peut être vraiment cool, ou même des plans de ville avec ça, ça peut être aussi très très cool comme on a pu le voir au début de la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'était Jérém, on se voit sur la prochaine, à plus.